Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie de 13 à 14 heures avec vous Hakima Kamel. J'ai l'honneur d'avoir des invités au téléphone et au studio. Nous parlons transition énergétique, le thème de cette émission, comme son nom l'indique, la transition implique un passage d'un mode de production, de transport, de consommation d'une énergie dite fossile à forte émission de carbone, responsable de l'effet de serre qui induit une perturbation du climat par le réchauffement de la planète, pour aller graduellement vers la mobilisation de la production d'énergie propre, durable, qui est un bouquet éolien, photovoltaïque, biomasse, hydrogène vert. Cette transition énergétique passe aussi par un autre bouquet de la cogénération, la géothermie. Et donc, on va savoir, essayer de comprendre le gaz, donc fait partie ou pas, et comment de cette transition énergétique, à quelle hauteur, beaucoup de questions que nous nous posons à travers ce débat. Qui sont pour et contre cette transition énergétique? Quelle est l'objectivité des résolutions et des décisions des instances autour du climat? Tous les pays sont-ils engagés à aller vers cette transition? À qui elle profite? Et d'autres questions. Nous allons donc en discuter avec nos invités. Monsieur Hesni Tawfiq, consultant en transition énergétique avec nous au studio. Monsieur Mohamedi Kamel, enseignant chercheur en énergie. À l'université de Boumerdès, président du conseil expert Forum algérien de l'énergie et de l'industrie. Et également avec nous, il est au téléphone, monsieur Mohamedi, notamment monsieur Nazim Sini, professeur agrégé en économie, spécialiste des questions internationales. 60 minutes économie, tous les jeudis de 13h à 14h. Merci de répondre à notre invitation, monsieur Hesni Tawfiq, monsieur Mohamedi au téléphone, monsieur Sini également. Bonjour. Monsieur Sini, monsieur Mohamedi au téléphone, vous êtes là. Bonjour. Première. Merci pour votre invitation. Merci à vous aussi de répondre à cette invitation au débat pour parler de transition énergétique. Une question introductive, c'est un peu le béaba de la première réflexion que l'on peut avoir autour de cette transition énergétique qui ne date pas d'aujourd'hui. Le là a été donné il y a au moins une trentaine d'années, voire un peu plus, où l'Union européenne avait décidé de hisser le bouquet énergétique jusqu'à, qui s'était donné la communauté européenne jusqu'à 2020 pour sortir de sa dépendance aux énergies fossiles responsables, selon les instances également spécialisées dans les questions du climat, responsables de l'effet de serre. Est-ce que tous les pays, aujourd'hui, tous les pays sans exception, pays consommateurs, pays clients, pays producteurs des énergies fossiles, sont d'accord pour aller vers cette transition où il y a encore des réticences et pour quelles raisons? La question, je l'adresse, si vous permettez, à monsieur Sini, professeur agrégé. Monsieur Sini Nazim, professeur agrégé en économie, spécialiste des questions internationales. Nous l'interrogeons en premier parce que nous devons libérer monsieur Sini dans une quinzaine de minutes. À vous, monsieur Sini. Bonjour. Merci d'abord pour votre invitation. Je tiens à saluer mes camarades et mes collègues sur le plateau. Alors, juste pour vous répondre, vous savez, aujourd'hui, il y a un consensus international qui est que le réchauffement climatique va avoir un impact conséquent et pratiquement irrémédiable sur les organisations, sur les entreprises, sur nos pays également. Il faut savoir que l'Afrique et notamment l'Algérie seront les premières victimes de ce bouleversement climatique. Maintenant, les pays sont engagés dans une course effrénée à la décarbonation. La plupart d'entre eux, pas tous, et vous avez bien fait de nuancer votre propos, dans le sens où vous avez des pays encore qui sont extrêmement réticents à cette transition énergétique parce que ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts économiques. Quand vous prenez l'exemple des États-Unis, par exemple, qui développent le pétrole de schiste, le gaz de schiste, qui sont sortis des accords de Paris lors du mandat de Trump, vous vous doutez bien de la tendance actuelle qui règne aux États-Unis par rapport à cette question du changement climatique. Et puis vous avez de l'autre côté de la planète, les Asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, qui continuent à être parmi les plus gros pays émetteurs de gaz à effet de serre, donc du CO2 émis à l'échelle planétaire. Vous avez même des pays comme l'Allemagne, qui était
parmi les pays européens pionniers dans cette transition énergétique qui rouvre des centrales à charbon. Alors qu'on sait que pertinemment que le charbon est parmi les énergies les plus polluantes. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que face aux enjeux économiques, les questions environnementales et climatiques ont été reléguées au second plan. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé depuis le conflit russo-ukrainien et le changement de paradigme au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, on parle de souveraineté énergétique. On parle également de mix énergétique, oui, mais vous avez vu l'exemple des Anglais qui ont décidé d'octroyer des concessions en mer du Nord pour exploiter du pétrole en mer profonde. Donc, si vous voulez, clairement, la transition énergétique, oui, si elle permet un nouvel essor économique, si elle permet d'être menée de manière juste, si elle permet de protéger les intérêts des pays énergétiques producteurs de gaz comme l'Algérie, mais si c'est pour servir les intérêts des Occidentaux et recréer une sorte de dumping énergétique, dans ce cas-là, il faut s'y opposer. Je donne la même question à M. Taoufik Hassni. Restez avec nous, M. Sini. Vous nous avez promis une quinzaine de minutes. M. Taoufik Hassni, ce que vous pensez déjà de l'orientation que donne M. Sini sur il y a des blocs qui sont pour cette transition et qui s'y engagent parce qu'ils ont intérêt justement à développer de nouvelles technologies parce qu'ils n'ont pas les ressources fossiles pour les défendre. Et il y a donc ces blocs dont parle M. Sini, les États-Unis qui sont beaucoup plus réticents parce qu'ils ont une énergie à mettre sur le marché. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie pour l'invitation d'abord. Il est clair que on ne peut pas parler de transition énergétique sans parler de modèle consommation énergétique et surtout en ne prenant pas en considération tous les paramètres qui peuvent influencer sur le modèle consommation énergétique. Vous passez par là, par une dimension politique, une dimension économique, une dimension environnementale et à la fin vous arrivez presque par une dimension culturelle, si on veut parler de ça. Les freins au développement de la transition énergétique, par la transition énergétique, on comprend souvent le développement des énergies renouvelables. Et en fait, un des freins les plus importants a été le lobby pétrolier, qui défend ses intérêts, cela se comprend. Et derrière le lobby pétrolier, naturellement, les grandes puissances, comme les États-Unis, sachant que la puissance des États-Unis sur le système économique mondial est basée sur le dollar. Et le dollar est en fait renforcé par l'énergie. C'est le seul marché qui leur reste après que la Chine se soit accaparée de l'ensemble des autres marchés mondiaux. C'est-à-dire que vous pensez que la transition énergétique, où on va reléguer un peu au second, voire au dernier plan, les énergies fossiles de très développées, va poser la problématique même du commerce mondial absolument, à travers la monnaie absolument. Qui est suprématie du dollar. Vous avez d'abord remarqué la décision de l'Arabie Saoudite de ne plus vendre sans pétrole, en dollars. Ça fait partie de toute la stratégie de dédollarisation de l'économie mondiale. Donc, quels sont les blocs qui se confrontent sur la transition énergétique, les poids lourds qui se confrontent? Voilà. Alors, je voudrais quand même aussi... Je dois donner la parole à M. Mohamdi sur la même question. Allez-y. Voilà. Donc là, ils sont de plus en plus apparents. Vous avez d'un côté le G7 et les BRICS de l'autre. Voilà les deux qui, l'un veut dédollariser, sortir d'un monde unipolaire, oui, BRICS. Et voilà, par là même dédollariser le système, donc aller vers, ce monde-là ne possède pas, à part la Russie qui a quand même des réserves d'hydrocarbures suffisantes, la Chine par contre qui est réellement le leader qui s'oppose aux États-Unis, elle ne dispose pas de ressources énergétique suffisant. Monsieur Mohamdi Kamel, avant de passer à Monsieur Sini le garder pour quelques minutes, Monsieur Mohamdi Kamel, enseignant-chercheur en énergie, vous êtes donc à l'université de Boumerdès, vous êtes président conseil expert au Forum algérien de l'énergie et de l'industrie. Vous nous écoutez? Bien sûr. Oui. Quel est le point de vue des enseignants-chercheurs qui sont aussi des consultants sur cette transition énergétique? Elle profite à qui?
vrai. Bon, c'est vrai que la transition énergétique, les transitions énergétiques, hein, parce que chacun va essayer de la faire à sa façon, vous avoir pratiquement que, à la base, c'est vrai que l'énergie est nécessaire pour faire de la croissance. Et le développement industriel, depuis la révolution industrielle, s'est fait à base de fossiles. Hein, et la production des équipements énergie renouvelable, lui-même, est basée pratiquement sur du fossile. Ce qui fait que même les énergies renouvelables ne sont pas aussi propres qu'on le dit. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, il existe des lobbies, de toute façon, qui vont travailler dans un sens ou dans l'autre. Il existe des lobbies du fossile, comme ça a été déclaré par le collègue M. Hassni. Il existe aussi des lobbies d'énergie renouvelable, des lobbies changement climatique, ben, qui font que pratiquement, entre guillemets, bon, c'est une guerre. Hein, c'est une guerre pour essayer de que tout un chacun puisse défendre, bien sûr, ses intérêts, essayer de faire en sorte qu'il puisse se développer avec un coût d'énergie le plus bas possible. Et d'ailleurs, on le voit maintenant dans toutes les stratégies qui ont été tracées, les stratégies énergétiques, notamment à l'horizon 2050, on voit qu'avec les problèmes qu'il y a eu donc, depuis 2 ans, vous retrouvez des pays européens qui sont très férus d'énergie verte, etc., qui se retrouvent à utiliser le charbon, d'autres qui ouvrent des centrales nucléaires qui sont pratiquement vieilles de 50 ans. Etc. Cela prouve quoi pour vous, justement, ce retour, une stagnation de la technologie verte, un peu une porte ouverte sur les énergies polluantes, comme vous dites, retour sur le nucléaire, on va encore au charbon. Cela démontre quoi? Ça veut dire qu'il faut appuyer sur d'autres leviers. Je veux dire que, par exemple, pour pouvoir décarboner, puisqu'il s'agit de pratiquement des réchauffements climatiques, des changements climatiques, et toutes les COP, etc., donc, ont essayé effectivement de mettre la barre vers les moins 1,5 degrés Celsius en termes de température moyenne continent-océan, qu'il ne faut pas dépasser. Or, il se trouve que le GIEC, qui est le conseil scientifique un petit peu de l'ONU, a déclaré qu'à partir de 2030, pratiquement, on va dépasser ces 1,5 degrés ou on va l'atteindre. Oui. Ben, ce qui fait qu'en fait, la solution est en fait, tout le monde se cherche, y compris les pays développés. Je ne parle pas de l'Afrique qui a pratiquement des ressources, mais n'a accès pratiquement ni à l'énergie, ni à ses ressources. Hein. On lui vole même ses ressources. Hein. C'est pour dire que lorsqu'il s'agit de l'Algérie, par exemple, c'est vrai qu'elle a un cap qu'elle a tenu depuis pratiquement les années 70, hein, surtout par rapport au gaz naturel. Et rappelez-vous, bon, les premières usines de liquéfaction avec El Paso, par exemple, c'était pratiquement la fin des années 60, et puis tout d'un coup, il y a eu le mois d'octobre 73, donc qui a fait qu'il y a eu le premier choc pétrolier. Ben, le prix du pétrole donc s'est envolé, et en même temps, bien sûr, comme c'était des contrats, on va dire, à long terme, donc l'Algérie s'est retrouvée vraiment, elle n'avait pas son intérêt de garder les mêmes prix. Donc, elle a essayé de renégocier avec El Paso, par exemple. Tout ça pour dire, en fait, que le gaz naturel, notamment à la COP26 à Glasgow, on a essayé de le mettre au même niveau que le charbon. Et les Américains aiment bien parler du clean coal. C'est-à-dire qu'alors que le charbon, pratiquement, c'est même si vous voulez fabriquer de l'hydrogène, ben, c'est de l'hydrogène noir. Il faut faire de la séquestration, mais la séquestration, il faut de la technologie, il faut de l'argent aussi, c'est très coûteux. Ce qui fait que, je veux dire, pour nous Algériens, il ne faudrait pas qu'on se fasse, on va faire un complexe de culpabilité. Nous avons un gaz naturel qui est très propre. Bien sûr, c'est du fossile, hein, il ne faut pas se cacher la figure, mais c'est l'énergie de transition par excellence. Oui. Et en 2050, je veux dire, quand on regarde les mix énergétiques, le gaz naturel, il est encore à 20%. C'est-à-dire que, en fait, il y a des pressions, il y a des enjeux qui font que on crée des conflits, des guerres pour essayer de faire en sorte que le gaz naturel peut-être soit à bas coût. Et entre parenthèses, j'ouvrirai, si vous permettez, une parenthèse par rapport
à ce que subit Gaza et la Palestine, par exemple. Oui. Au fond, si on regarde bien le problème, c'est un problème de réserves gazières qui sont importantes et Gaza peut devenir un Qatar si on le laisse faire. Donc, il fallait à tout prix faire sortir toutes ces populations pour pouvoir peut-être profiter des réserves du Léviathan, enfin du côté de... Parce que, en fait, ces réserves-là, en plus, elles sont proches de Chypre. Et Chypre, c'est l'Union européenne. Hein. C'est-à-dire que l'Union européenne va pouvoir avoir du gaz comme ça qui va venir. Parce qu'il faut se débarrasser du gaz russe. Par exemple, oui. Donc, on ne le dit pas, en fait. Hein. Mais il faut savoir ce que je voulais dire pour résumer. C'est-à-dire que le gaz naturel, bien sûr, a sa place. Et est-ce que c'est reconnu que le gaz est une énergie plus propre, en tout cas dans le mix énergétique ou parmi les énergies fossiles? Le gaz figure dans quelle place? Oui, bien sûr, comparé, je veux dire, au charbon ou au pétrole, pratiquement nous sommes à peu près un tiers des émissions par rapport au charbon, oui. Etc. Donc c'est propre, et en plus le gaz naturel, si on arrive à séquestrer un petit peu le CO2 qui est émis depuis le champ gazier jusqu'à l'utilisation, à ce moment-là, on va faire pratiquement une source d'énergie propre. Monsieur Nazim Sini, professeur agrégé en économie, spécialiste des questions internationales. Alors, quels sont aujourd'hui, à votre avis, les moyens de pression, on va dire, les moyens de pression économiques internationales, les moyens de pression diplomatique, politique, qui s'exercent et qui démontrent qu'il y a une volonté de certaines puissances de s'accaparer, on va dire, des meilleurs gisements en gaz, et en même temps de peut-être fragiliser les pays producteurs en leur imposant cette transition. Quels sont les moyens de pression sur le plan financier, sur le plan économique, notamment à travers les taxes, à travers les exigences de réduction de la production de gaz? Bah écoutez, en fait, il y a plusieurs outils. Vous avez les COP, quand vous les observez et que vous les vivez de l'intérieur, servent surtout en fait à un rassemblement de puissances occidentales qui viennent faire la leçon aux autres pays, sachant que la situation dans laquelle est actuellement le climat, c'est essentiellement dû au modèle de développement néolibéral occidental. Mmh. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, les Européens ont inventé un formidable dispositif qui est absolument dissuasif. C'est la taxe carbone. En fait, ils appliquent à l'entrée de leurs frontières une sorte de droits et taxes sur tous les produits qui seraient émetteurs de CO2. Et je pense que là, les autres pays, notamment l'Afrique, doivent absolument rétorquer par des mesures de réciprocité. Et pour concernant votre question sur les gisements de gaz, on le voit aujourd'hui, un sommet comme celui qui va se tenir à Alger, vous allez avoir des puissances qui vont tout faire pour le torpiller, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas l'émergence d'un OPEP du gaz. Parce que vous imaginez si des pays se rassemblaient et pouvaient être fédérés autour d'une cause commune, qui est celle des défenses du marché, d'un plafond de prix, imaginez quelles seraient les conséquences pour les pays acheteurs et consommateurs, comme l'est l'Europe, par exemple, ou comme le sont certains pays asiatiques. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, sachant que le sommet, enfin le forum lui-même, qui est composé de 12 pays membres et peut-être 7 membres observateurs, constitue la plus grande menace en termes de volume de production. Exactement. Et de commercialisation. Parce qu'aujourd'hui, on l'observe, vous le voyez, le gaz est devenu la denrée la plus recherchée en matière énergétique. C'est ce qui alimente l'industrie européenne et les industries occidentales. Parce qu'il y a une abondance du gaz et aujourd'hui, il y a une meilleure stabilité que le pétrole. Et ce qui fait que pour la décennie d'ici, donc 2024 à 2030, le gaz restera la matière première consommée dans le monde et la plus recherchée. Et en cela, les Occidentaux sont en train de mobiliser l'ensemble de leur arsenal législatif, diplomatique, politique
pour justement éviter de laisser entre les mains des producteurs un trop grand levier de chantage. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à une forme de géopolitique du gaz. Vous pensez quoi, Monsieur Taoufiq Hassni, ensuite Monsieur Mohamdi Kamel, des déclarations, enfin de l'analyse de Monsieur Sini sur justement ces contraintes, ces pressions exercées sur une énergie qui n'est pas forcément aujourd'hui en grande quantité entre les mains des grands clients et consommateurs. Je crois qu'il est difficile d'imaginer qu'on puisse reproduire une augmentation du gaz sur le modèle de celle de l'OPEP. Pourquoi? Monsieur Hassni n'est pas d'accord avec vous sur l'OPEP du gaz. Pourquoi? Allez-y. D'abord parce que le pétrole est un marché mondial. Le gaz, c'est un marché régional et souvent c'est un marché entre un vendeur et un client. C'est soit un pipe qui les relie, soit une chaîne de GNL qui les relie. Donc, et de l'autre côté, lorsque vous voyez les marchés, ils se distinguent parfaitement. Les États-Unis sont à 2 dollars le million de BTU. C'est pour ça qu'ils peuvent envoyer du GNL en Europe, où le marché se situe autour de 9 dollars le million de BTU. L'Asie est à peu près à 10 à 12 dollars le million de BTU. Ce qui fait que c'est les marchés qui vont imposer leur prix. Et ce n'est pas une organisation comme l'OPEP qui, je vous le rappelle, n'a jamais pu être un outil qui pouvait défendre les prix. Je vous rappellerai simplement que le dernier prix imposé à l'OPEP par M. Trump par un simple tweet. Les États-Unis dominent le marché avec l'Arabie Saoudite qui dispose de réserves pétrolières suffisantes pour imposer leur point de vue. Vous allez à contresens de beaucoup d'analyses internationales. Absolument. Sur le poids de l'OPEP et de l'OPEP+. Basé sur des faits, pas sur un sentiment. De l'autre côté, lorsqu'on s'aperçoit où se trouvent les grandes réserves de gaz, vous avez la Russie, l'Iran, etc. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez que on va pouvoir imposer les prix du gaz? Si vous oubliez toute la conjoncture, l'économie mondiale est en crise, tout le monde est endetté. Si l'Allemagne s'est effondrée, c'est dès l'instant où elle a été obligée de payer un prix du gaz trop élevé. Donc, si vous pouvez espérer monter le prix comme vous voulez, et je vous donnerai le résumé du dernier GNL Outlook de 2023. Oui, écoutez avec nous, Monsieur Nazim Sini, Monsieur Mohamdi Kamel. Qu'est-ce qu'il dit? Les prix élevés, les ruptures d'approvisionnement dans de nombreux pays asiatiques, le GNL est désormais acquis à une réputation de carburant coûteux et peu fiable. Projet d'importation GNL proposé dans la région est désormais confronté à des risques accrus de retard et d'annulation. Pour information, la Chine a réduit en 2023, sa consommation de 20% dans les GNL. Et au profit de quoi? Elle n'importe plus, elle réduit de 20% ses importations de GNL. Les pays asiatiques comme l'Inde, au Pakistan... Au profit du bouquet énergétique? Oui, c'est ça, donc ça veut dire... Oui. Et l'Asie du Sud, c'était l'Inde, Pakistan, Bangladesh, réduction de 16%. Je veux quand même faire intervenir M. Sini, M. Mohamdi, sur ces indicateurs et ces constats chiffrés de réduction de la demande en GNL. Oui, si je peux me permettre, alors je respecte le point de vue de mon collègue, mais je suis en total désaccord parce que dire que c'est les marchés qui font les prix, ça voudrait dire dans ce cas-là que les réductions de production et de quotas de l'OPEP ne servent à rien. Ça veut dire que si demain on ferme le robinet du gaz, ça n'aura aucune incidence sur le prix. C'est toujours le marché qui fait les prix. Je pense que, et comme vous l'avez dit à juste titre, 90% des analystes dans le monde s'accordent à dire aujourd'hui que les pays producteurs de gaz détiennent les clés
des tensions qui existent sur le marché. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les États-Unis se sont lancés sur la production de gaz de schiste, justement pour pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeur de cette énergie qui est devenue une ressource extrêmement importante, puisque c'est elle qui alimente, je vous l'ai dit, l'industrie mondiale. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui va poser problème, c'est que nous n'avons pas des infrastructures, nous n'avons pas suffisamment de méthaniers pour gazifier le gaz, et puis le liquéfier, le regazifier. Ça, je suis complètement d'accord, c'est ce qui perturbe quelque part les capacités de production. Mais, et puis même, combien même, si je vais dans le sens de mon collègue, qui c'est qui tire les marchés selon vous? C'est les marchés financiers. Et qui c'est qui est derrière les marchés financiers? Ce sont des hedge funds ou des fonds d'investissement américains. Donc on peut tourner en rond pendant des heures, on en revient toujours au même constat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des puissances économiques représentées par quelques blocs de pays qui tirent les ficelles. Et des initiatives comme celle du sommet du gaz doivent permettre de contrebalancer cette domination outrageuse qui a eu lieu pendant des décennies sur ces marchés énergétiques. Mohamed Kamel, enseignant, je dois lui donner la parole sur cette question et je reviens vers Monsieur Hassni sur les opinions et l'avis, les analyses de Monsieur Sini qui ne va absolument pas dans le même sens que de l'analyse et du constat de Monsieur Hassini sur un recul en fait de ce que vous venez de nous dire et un recul de la demande du GNL, sans transport coûteux, ça regazifie, voilà, vous aurez compris, et coûteuse. Et donc il y a le gaz n'est pas forcément pour Monsieur Hassini en tout cas la meilleure énergie qui aura le rôle primordial dans l'économie internationale. Merci Hakim. Vous en pensez quoi? Vous avez écouté Monsieur Hassini? Ben c'est vrai qu'il faut faire la différence entre la voie GNL et puis la voie pipe gazeuses, etc., telles que ce que fait l'Algérie avec l'Italie, par exemple, les Medgaz. Oui. Effectivement, si on revient à à ce que disait le premier collègue, donc par rapport à la taxe carbone, il faut savoir que l'Union européenne a mis en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc pour taxer l'acier, l'ammoniac, les engrais, tout ce que vous voulez, les ciments, par rapport à l'empreinte carbone. Et si on regarde l'empreinte carbone, par exemple, du GNL, il est certain qu'elle est beaucoup plus importante du fait du transport, de la transformation, aussi bien pour le liquéfier que pour le gazifier à la sortie, même s'il y a de la récupération d'énergie. Vous savez, à force sur mer, on récupère l'énergie, enfin le froid pour faire de la glace pour la pêche, par exemple. Oui. Donc effectivement, le GNL C'est-à-dire le gaz sous forme GNL a moins la cote, il est moins favorable en tout cas en grande quantité, mais à travers les Medgaz et les gazoducs plutôt. C'est vrai qu'il est moins favorable, mais il permet par exemple à l'Algérie d'attaquer les marchés qui sont lointains. Il permet, par exemple, à des pays comme, je ne sais pas, à Trinidad et Tobago, par exemple, pour ne pas le citer, qui n'a pas qui ne peut pas vendre, je veux dire, sa production comme ça avec des pipes, donc il doit utiliser des méthaniers. Donc, à ce moment-là, ça demande effectivement d'abord des infrastructures, ça demande des moyens de transport, c'est des géants des mers, hein, donc, ils vont utiliser quoi généralement, c'est du gasoil, donc... Vous retrouvez, c'est un cercle vicieux, si vous voulez. Donc, si j'en reviens un petit peu aux pays industrialisés, leur problème, c'est qu'ils ont besoin d'énergie. À ce moment-là, et pour leur malheur aussi, entre guillemets, et pour notre bonheur, nous, peut-être, dans la région MENA, c'est que tout le potentiel fossile est pratiquement concentré dans la région MENA. On va pas parler du potentiel solaire, par exemple. Pratiquement, il est dans la région MENA. Donc, l'Union européenne, en général, a voulu se défaire de cette dépendance depuis... moi, je me rappelle, en Allemagne, on parlait déjà de 2050 comme étant l'année où il fallait ne plus importer une molécule de gaz. Oui. Et il parlait de power to gas. Donc, comment, avec des éoliennes, fabriquer de l'hydrogène vert, cet hydrogène vert va être utilisé en même temps pour décarboner. Oui, oui. En même temps aussi pour permettre de rentrer dans une espèce d'économie circulaire à travers la récupération du CO2 pour faire du méthane. Et leur hantise, c'est que
ils sont dépendants de ces ressources qui sont à l'extérieur. Donc ils ont essayé le charbon, ils ont essayé le nucléaire. On a traité même le nucléaire d'énergie, on va dire, la moins chère, je veux dire, en termes de alors que si vous regardez le cycle de vie du combustible nucléaire, c'est pratiquement une catastrophe en termes environnementaux, mais aussi économiques. Donc ça veut dire que la chose suivante, c'est que la voie est ouverte pour le gaz. On va dire. Et ça, c'était pratiquement prévisible. Si vous regardez la littérature des années 60, on parlait déjà du gaz naturel comme étant l'énergie, si vous voulez, des années, on va dire, 2020, 2050, 60, etc. Oui, est-ce que... Oui, pardonnez-moi, continuez votre idée, je passe à une autre question. Mais, oui, c'est parce... oui donc, je disais juste pour terminer en plus, je veux dire, même l'Union européenne qui a pratiquement établi des mix énergétiques 2050 avec zéro net émission, neutralité carbone, etc., n'a pas atteint ses objectifs. Elle ne va pas les atteindre parce que le problème, c'est que même les énergies renouvelables, telles qu'on les voit maintenant... Oui, vous avez dit qu'elles elles ne sont pas si propres que ça. Elles ne sont pas si propres, oui. Elles ne sont pas si matures que ça. C'est-à-dire que l'énergie renouvelable, comme disait quelqu'un, je veux dire, les énergies renouvelables, on en sort. C'était le temps où on transportait des marchandises avec des grands voiliers à la force du vent. On faisait moudre le blé avec des moulins à vent, etc. Vous allez prendre la parole, ne vous inquiétez pas, monsieur Hasni, calmez-vous. Ok. Monsieur Hasni s'impatiente pour répondre. Okay. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que les énergies renouvelables, c'est bien. Mais je veux dire, il ne faut pas que ce soit nous qui payons la facture par rapport aux pays industrialisés. Et je terminerai juste par le projet Desertec. Oui, allez-y. Tout le monde en parle, mais Desertec, pourquoi l'Algérie n'a jamais vu le jour, pourquoi, etc. Oui. C'était des projets à 400 milliards de dollars. Et personne, c'est vrai que les gens apportaient la technologie, le savoir, la formation, l'accompagnement. Mais l'argent, ils voulaient le prendre chez nous, pratiquement. Non. Et il y a un pays, d'ailleurs, et je terminerai, s'il vous plaît, il y a un pays voisin qui a investi... pratiquement 9 milliards de dollars, donc ils ont 9 milliards plutôt de dettes actuellement, avec des problèmes de population déplacée, pour faire des centrales, des tours solaires, etc. Donc, je pense que la voie suivie par l'Algérie est assez sage, mais en même temps, bien sûr, il est temps de... On a pris du retard. Je sais que je ne sais pas avec M. Toufer Hasni. Il va vous répondre. Allez-y. Merci. Les projets de solaire thermique, par exemple, sont nés ici. Je veux dire, vous pouvez le couper, écoutez. C'est Mohamed. Oui, merci beaucoup. Le premier four solaire, c'était bien Mouchot qui l'avait développé en 1870 en Algérie. Okay. Voilà, merci. Oui, M. Hasni. Oui, effectivement, vous me permettez de pouvoir réagir. Vous allez réagir sur quoi, M. Hasni ? Alors, aux deux questions. Tellement de d'abord, choses. Alors, je vais commencer par M. Sini, s'il m'entend peut-être. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas en jouant sur la production de gaz qu'on va pouvoir affecter le marché. Aujourd'hui, le marché, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Pour en prendre des chiffres d'abord. Quels sont ceux qui peuvent nous donner des chiffres ? Vous prenez l'AIE. L'AIE, toutes ces prévisions jusqu'à 2050, vous disent qu'aujourd'hui, la consommation de gaz est de l'ordre de 4 000 et quelques milliards de mètres cubes. En 2030, elle va descendre à 2 000 milliards de mètres cubes. Et en 2050, ce sera encore... D'autres chiffres sont donnés qui ne disent absolument pas. Non, l'AIE reste, le contraire, oui. Reste quand même une institution crédible sur laquelle on peut se baser. Hier, on parlait d'une évolution de la demande et du marché. Mais il faut comprendre un peu les raisons, les facteurs qui vont aller dans ce sens. On vient de le dire. L'Europe, elle a décidé de se débarrasser du gaz. Elle a pris la décision. Donc, il n'est pas question pour nous de continuer à supputer sur ça. Lorsque vous voyez
que aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne produit 50% de son électricité à partir des énergies renouvelables. Et ils se sont fixés un niveau important en 2035, presque 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, par sécurité énergétique, c'est un facteur qu'on oublie souvent, la sécurité énergétique leur impose de ne plus dépendre de quelques gaz, fournisseurs que... du gaz. Oui. Donc, vous ne pouvez pas me dire, oui, mais on va jouer sur... Non, vous ne pouvez rien jouer. Et surtout, avec une crise... Comment, pardon? Je veux dire que les Européens ne peuvent pas se débarrasser du gaz. Pour la simple raison... Les Européens ne peuvent pas se débarrasser du gaz, dit monsieur Hamdi. Mais on n'a pas dit qu'ils vont se débarrasser du gaz. Mettez votre casque. Laissez-moi continuer. On ne peut pas m'interrompre lorsque je suis en train de développer quand même. D'accord. Lorsque vous prenez le mix énergétique mondial, le gaz... Les énergies renouvelables sont au plus de 55%. Ça veut dire que la part du gaz et du pétrole... Alors, le pétrole, c'est fini avec l'électrification des véhicules. Donc, il restera le nucléaire. L'hydrogène, il ne faut pas espérer. Hein. Si ils arrivent à 7%, c'est déjà merveilleux. Et le gaz aura encore... Il y a suffisamment de gaz, mais dans certains marchés. Et on vient de dire, l'Europe a décidé de sortir du gaz. Nous, notre marché, c'est lequel? C'est le gaz, c'est l'Europe. Nous, on ne peut pas aller sur les autres marchés. Amérique est exclue avec les prix qui existent, et la concurrence qui existe sur l'Asie nous écarte totalement de ça. Alors, il y a des signes, des facteurs qui sont aussi là pour pouvoir vous donner des orientations. Il n'y a pas que l'Algérie qui produit du GNL en Afrique. Le Mozambique devait démarrer un projet de GNL. Ils l'ont reporté. Parce qu'ils savent très bien que la conjoncture aujourd'hui ne leur permet pas. C'est la crise qui fait que ça s'est réduit. Alors, juste pour répondre à M. Mohamdi, écoutez, M. Mohamdi, j'étais derrière le projet Desertec. Le projet Desertec ne prévoyait pas que l'Algérie paye 400 milliards de... C'était eux qui devaient financer ça. La moitié de la production devait être pour eux, la moitié pour le Maghreb. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que le Desertec n'a pas pu aboutir? Un pays, que je ne nommerai pas, voyait en Algérie un concurrent avec l'apport électrique sur le marché européen. Sachant que ce pays disposait déjà du marché européen par son nucléaire. Donc c'était une façon de nous écarter du marché européen. C'est purement politique. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, si vous avez bien suivi la COP28, le pays organisateur avait présenté sa dernière réalisation, 1000 MW, avec 600 mégawatts en énergie solaire parabolique trace, 200 mégawatts en tour solaire pour le stockage thermique et 200 mégawatts de photovoltaïque pour le coût. Ça veut dire que ce n'est plus une question de maturité, c'est une réalité. Et tous les pays sont en train de s'aligner sur ce modèle-là. D'accord. Monsieur Mohamdi, le débat continue avec Monsieur Hassni Toufir, Monsieur Sini Nazim nous a quittés, quittés du studio évidemment pour l'émission. On lui souhaite bon vent. La question du bouquet énergétique. On parle bien d'une transition, Monsieur Mohamdi, oui. Vous nous écoutez, Monsieur Hassni, une transition. Oui, oui. Il ne s'agit pas de faire une rupture du jour au lendemain, d'une énergie fossile, gaz, pétrole, au profit d'un bouquet énergétique, l'éolien, la biomasse, le photovoltaïque, etc. En plus, chaque énergie propre est disponible selon les capacités, les potentialités de chaque Absolument. Pays. Le cas pour l'Algérie, c'est l'éolien, c'est le solaire, donc le choix est fait. Lorsqu'on parle de bouquet énergétique, c'est une nouvelle technologie, premièrement, et la transition elle-même, elle a un temps. Ce temps-là,
il est, on utilise l'énergie la moins polluante. Absolument. Qui est reconnue, vous l'avez dit, Monsieur Mohamdi, le gaz. L'utilisation en national étant la moins polluante, puisque c'est une transition, et l'énergie de l'exportation, Monsieur Mohamdi. La transition doit se poser sur quelle énergie pour atteindre pour atteindre une production plus importante de renouvelables propres aux dépens des énergies fossiles. Oui, encore une fois, bon, pour répondre un petit peu à... C'est vrai que je suis de Boumerdès, mais je ne suis pas dans les hydrocarbures, j'enseigne des énergies renouvelables. Et j'y crois aux énergies renouvelables, mais je crois beaucoup plus au chauffe-eau solaire, par exemple, qui est une technologie rustique qu'on peut généraliser ici en Algérie. Je crois aux pompes à chaleur, par exemple. Le photovoltaïque, on va dire, domestique, pourquoi pas. Mais sinon, ce que je voulais dire, le problème des énergies renouvelables, oui, c'est qu'il ne peut pas, on va dire, marcher tout seul comme ça. Pourquoi ? Ben parce qu'il a un problème d'intermittence qui fait que vous avez besoin d'un stockage. Et je sais que les Allemands, par exemple, en Allemagne, il y a chaque année pratiquement une conférence sur le stockage. On est en train de développer de nouvelles technologies, etc. Donc, stockage électrique ou thermique. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, parce que c'est une question de quantité, je veux dire, ce que fait le gaz actuellement, c'est comme ce que fait la pluie qui nous tombe, on va dire, du ciel, par rapport aux stations de dessalement. Je veux dire que ce sont de grandes quantités qu'on ne peut remplacer ni par l'hydrogène vert, parce que l'hydrogène vert, au plus, peut-être qu'il va prendre 10%... C'est ce qu'a dit, vous êtes d'accord là-dessus avec M. Hesnitz. ...du total de la décarbonation. Parce que dans la décarbonation, par exemple, hein, jusqu'à 2050, vous avez en fait trois leviers. Il y a les énergies renouvelables, on va dire c'est un quart à peu près. Ils vont permettre d'abaisser, je veux dire, les émissions CO2, qui sont de 40, peut-être 37, 40 gigatonnes de CO2 équivalent. Vous avez les énergies renouvelables, c'est un quart. L'efficacité énergétique, c'est un quart. Parce qu'en Algérie, je suis sûr que l'on peut fonctionner peut-être, je veux dire, la production d'électricité, je peux dire, comme ça, je veux dire, j'exagère un peu, peut-être 60%, elle part pour chauffer un petit peu les oiseaux. Sachant qu'en Algérie, on a le besoin, il s'exprime plus en thermique, en chaleur, qu'en électricité. Nous sommes peut-être à 60-40 à peu près. Donc, ce qui fait que, bien sûr, les énergies renouvelables, c'est bien. Nous avons d'ailleurs en Algérie l'une des centrales que connaît bien M. Taoufik Hasni, puisque je pense qu'il en a été un des grands, on va dire, entrepreneurs qui ont mis en place cette centrale de Hasselmel, etc. Ben, le cycle combiné solaire-gaz est actuellement, normalement, l'un des systèmes qui permet d'abaisser le coût du kilowattheure au plus bas. Et en même temps, vous avez cette possibilité d'avoir ce stockage-là, la nuit, quand il y a des nuages, par exemple. Et je veux dire, pourquoi on ne peut pas aller au 100%, encore une fois ? Ben, tout simplement, si vous allez chez Sonelgaz, vous allez voir que vous avez besoin d'une base load. D'une ? Une charge de base, une base load en anglais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un réseau électrique, par exemple, avec des centrales éparpillées un petit peu partout. Et le problème, c'est comment garder les caractéristiques, si vous voulez, de l'électricité que vous produisez, en termes de fréquence, par exemple. Et on sait que quand il y a peut-être une variation de 1%, 2%, votre système peut tomber, vous allez avoir un blackout. Ce qui veut dire que vous avez besoin d'un minimum d'énergie fossile, même si vous avez, on va dire, de l'énergie renouvelable on va dire de l'éolien, je ne sais pas, au Danemark ou bien en Norvège. Donc, pour vous, du 100% énergie renouvelable, c'est une utopie. Pas pour l'instant. Ouais, ouais, d'accord. Je veux dire, lorsqu'on développera les techniques de stockage... Vous allez terminer votre réflexion pour donner l'occasion à M. Hasni, s'il vous plaît. Je sais que vous faut donner des cours dans les amphithéâtres et ça peut prendre beaucoup de temps. Mais c'est Mohamed, je crois que vous avez en fait mis en évidence la solution.
Dans la mesure où vous avez parlé, on ne parle pas du photovoltaïque, lorsqu'on parle du solaire, c'est principalement le thermique. Le thermique. Le potentiel de thermique, est-ce que vous savez combien ça représente? Le potentiel du thermique, c'est l'équivalent de 38 000 milliards de mètres cubes de gaz par an. Vous avez une idée de ce que ça veut dire, ça? 38 000 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et vous me dites que vous ne pouvez pas faire le 100%. Mais monsieur Mohamedi, je vois que vous avez bien suivi la technologie. Lorsque vous J'espère. parlez de stockage, j'ai dit que le Là, vous modèle. parlez entre techniciens. Non, j'explique maintenant D'accord. pourquoi nous avons réglé le problème d'intermittence. Il n'y a pas d'intermittence dans le système que nous proposons. J'ai bien dit qu'il y a du solaire à 60%, c'est juste Il faut combiner les deux. la technologie solaire, Oui. mais à basse température. Elle monte à 400 degrés. Ensuite, les tours solaires montent à 1000 degrés. Ça veut dire que le stockage la nuit est réduit. Et ça vous couvre avec cela les 24 heures sur 24. Avec le potentiel solaire que nous avons, c'est vrai que le mix que nous avons avancé pour 2050, les énergies renouvelables vont être toujours autour des 60%. Pour l'Algérie, 25% de gaz Oui. et 10% de pétrole. Non, le gaz restera là. Oui, Oui. seul le gaz maintiendra 14 000 mégawatts seulement pour la génération Une électrique. question pour terminer l'émission. Alors, le gaz étant l'énergie la plus propre, vous êtes d'accord, Monsieur Oui, Hasni, oui, Monsieur Mohamed, vous êtes d'accord? oui. Est-ce que dans cette transition énergétique, ce qui est favorable et bénéfique, avantageux pour l'Algérie, c'est de mettre le paquet sur la décarbonation, c'est-à-dire rendre encore meilleur, plus propre, à travers des technologies de captation de carbone de cette énergie qui est le gaz, et continuer donc à occuper, à avoir des parts de marché, ou alors de développer les nouvelles énergies. Alors, quel est le meilleur investissement à faire? C'est de défendre le gaz en le décarbonant au maximum, ou alors en réduisant son utilisation au profit de nouvelles énergies. Monsieur Hassni et Monsieur Mohamdi, c'est la dernière question. Je commence? Oui, allez-y. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit bien clair. Notre pays ne peut pas continuer à exporter les matières brutes. Le gaz devait servir au développement de la pétrochimie. Rien n'a été fait. Le gaz devait aussi servir aux autres industries, les engrais, à partir des phosphates, c'est avec du gaz. La sécurité alimentaire, ce sera ce gaz-là qu'on va étudier, et non pas. Et le gaz, c'est une matière première. Hassilmel, c'est le premier réservoir au monde d'hélium. Un gaz très rare aujourd'hui. Alors, il faudrait qu'on arrête de mettre sur le marché le gaz pour le brûler. Il faut qu'on l'exploite soit pour la liquéfaction, pour récupérer l'hélium, mais pas pour le mettre dans la combustion. Maintenant, j'ai dit, on laissera une partie du gaz pour les besoins d'électricité pour maintenir seulement 14 000 mégawatts. Sonel Gaz a prévu de dépasser les 30 000 mégawatts. Ça veut dire qu'on va encore augmenter la consommation interne de gaz. C'est pas possible, il faut arrêter ça. Et c'est pour ça que je dis, non, le gaz, on doit réduire tout ce qui est gaz carburant pour avoir gaz matière première pour nos enfants et pour diversifier notre économie. Vous pouvez pas diversifier votre économie comme ça. La chaleur, par contre, va être obtenue avec les fours solaires que nous pourrons produire, une technologie qui existe aujourd'hui. Oui. Vous n'avez pas besoin de décarboner. Parce que aujourd'hui, Pour avec. l'exportation, la décarbonation est une exigence. Mais
Non, mais on a vu que ce qui va rester comme exportation possible, ça va être très réduit. Et ce qui restera comme gaz, parce que le gaz a aussi ses limites. Qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas l'éternité. Le solaire, c'est l'éternité. Les durabilités, oui. Et ce n'est pas comparable. Vous avez 38 000 mètres cubes d'équivalent gaz chaque année pour l'éternité. Donc, L'investissement lourd, la rentabilité lointaine. Non, C'est peut-être ça. Aujourd'hui, la production d'électricité à partir du solaire est moins chère que toutes les autres alternatives. Même le nucléaire et même le gaz. Donc, non. Maintenant, ce que je voulais juste clarifier une chose. Chaque pays a son modèle de consommation énergétique. Vous ne pouvez pas dire que c'est universel. Mais que par quoi l'Algérie sera présente à sur les marchés? Avec quels Eh produits ben, dans ce vous cas? avez exporté l'électricité. On prévoit d'exporter l'équivalent de 37 000 milliards de mètres cubes. Avec l'équivalent de 38 000 milliards de mètres cubes de gaz par an par le solaire thermique, je peux produire, alimenter l'Europe, le Maghreb et le Sahel avec de l'électricité. Soyons concrets. C'est précis, c'est le résultat d'une étude valorisée par toute l'expertise internationale. C'est ce qu'on a produit pour la fondation Friedrich Ebert. Le titre, c'est Algeria 100% Renewable. Ce sera la fin du siècle, on sera à 100% renouvelable. Monsieur Mohamdi, un dernier mot sur la question du choix, du choix de la source énergétique à développer en Algérie, dans cette transition, c'est-à-dire quelles sont les premières priorités dans cette transition, dans ce passage vers l'économie Oui, verte. je commencerai peut-être par une question, à savoir est-ce qu'on a vraiment le choix? Parce que vous avez prononcé, Madame Hakima Kamel, le mot-clé, peut-être, quand vous avez parlé d'exigences extérieures, les mécanismes d'ajustement carbone, par exemple, toutes les lois que l'on met. Les embargos qu'on fait sur certains pays, etc. Et les guerres qui vont avec. Et les guerres qui sont bien sûr faites de telle façon à déséquilibrer ou à équilibrer Ben oui, le système. qui exige plus d'énergie, plus de pétrole et de gaz. Oui, donc le terme exigence fait que nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas la technologie. Prenez, je ne sais pas si on peut prononcer les noms de marques automobiles, qui sont Non, non. tous en train de faire sortir, je veux dire, des véhicules à hydrogène, des moteurs à combustion à hydrogène, Oui. notamment au Japon, en Europe, en Allemagne par Un exemple. mot, Et donc, l'émission est terminée. très bien. Donc, je dirais qu'il faut essayer, bien sûr, de faire en sorte que le gaz puisse être exploité, faire de la plus-value. Et comme dirait notre ami Mourad Breuve, il faut aller dans les marchés européens. Merci. Justement, s'installer pour Merci. pouvoir profiter Merci beaucoup, M. Mohamdi Kamel, enseignant-chercheur en énergie, M. Taoufik Hassni, consultant en transition énergétique, M. Nazim Sini, professeur agrégé en économie. Mesdames, Messieurs, merci. Aïcha Hammer, réalisatrice, toute l'équipe à la régie technique, merci.